Salut, c'est Nono et Sandar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture, mais pas une ouverture de Pokémon, pas une ouverture de Magic, une ouverture de filles. C'est pour ça que j'ai des cheveux. Non, il n'y a pas que les filles comme ça, mais on associe plus ça à l'univers des nanas. Une ouverture de Tsum Tsum. Tsum Tsum. Tsum Tsum. Squishies. Donc en gros, c'est petites figurines. Les Tsum Tsum, c'est les petites peluches rondes en forme de boudin. Des personnages Disney toutes mignonnes. Et du coup, ils en ont fait des figurines. Ils ont appelé ça les Squishies. Il y a aussi des figurines vinyles, des porte-clés, plein de trucs. Il y a des gens, ils font de la bouffe Tsum Tsum et tout. Il y a plein de trucs. Comme moi, j'ai commencé la collection des Tsum Tsum parce que je suis une grande fan de Disney. J'ai proposé à Sandar de faire une ouverture avec moi. Oui. On va en ouvrir 6. 3 chacune. Il y a 2 Tsum Tsum par paquet. Et donc, il y en a donc, un qu'on voit. Un visible. Voilà. Et. Un surprise. Moi je choisis Bayonne, Dimitri Kay. Et pour être drôle, on va prendre, je prends un tic et tu prends l'autre tac. Je vais commencer par. Il me semble que c'est tac, mais je suis pas sûre. J'ai jamais réussi à différencier tic et tac. Ils ont vraiment une texture. C'est tout gluant en fait. Après ça s'enlève, tout mou et tout gluant et c'est bizarre. Ça laisse une sorte de petit dépôt sur les doigts. Oh. C'est chelou. Qu'as-tu dans le mystère. Donc du coup, B-Max. Oh, c'est B-Max. Le petit Big Hero B-Max. 6. Ou des nouveaux B-Max. Héros en français. Des nouveaux héros, ouais. Dans chaque petit paquet, il y a un petit papier avec toute la collection des Tsum Tsum. Ah mais c'est du spoil. Il y a 4 ultra rares, c'est des Tsum Tsum dorés. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est gluant, c'est bizarre. Je dirais que c'est un bonbon en fait. Ça se voit que c'est fait avec amour. Ah celui-là il est moins gluant. J'ai pris le plastique. C'est qui ça? Ah ça c'est dans La Belle et le Clochard. Il s'appelle Clochard, c'est un clochard. Ah mais je le reconnais pas. Clochard il est vachement maigre et tout, tu vois. Ouais, bah, mais là comme c'est des Tsum Tsum squishies, ouais, bah, du coup c'est gros. J'aime bien ce personnage donc c'est cool. La fée Clochette. Je déteste ce personnage de Disney. Elle m'insupporte. Ah c'est une petite pute. Ah mais grave. Ah la petite sale. Je te jure dans la vraie vie, mais tu la connaîtrais, tu l'aimerais pas. Bah tu l'écrases. Et paf, les clochettes. Son petit chignon sur le dessus. Elle est plutôt bien faite celle-là, ça va. Et du coup, et c'est Donald. Oh, Donald le vieux. Oh, il est bien fait lui aussi. Pas de double. Pour l'instant, tout va bien. Jiminy Cricket de Pinocchio. Il est tout simple, mais il est beau. On le reconnaît pareil. Moi, c'est vraiment le côté on reconnaît pas trop. C'est moins évident en fait que les pop, mais c'est tellement mignon. Cendrillon. Ah mais c'est Cendrillon. C'est ce que je voulais. Ah putain, elle a des grands yeux. Ouais, t'as l'impression qu'elle s'exclame, c'est waouh. Elle a des styles de fou. Elle est trop belle. Même principe qu'elle fait clochette. Avec sa petite robe et son, coup, son petit cul. Son petit cul. La joue bleu martien. Donc celui-là, il plaît particulièrement à Alice. Donc des Toy Story. Celui-là, il est vachement bien fait parce qu'il y avait vraiment les petites oreilles là. Ouais. C'est parfait. Il est propre. Je vois, il est propre. Que va-t-on avoir? Ah, Alice au pays des merveilles. Il est trop cool. Il est cool avec ses petites oreilles et sa petite queue en bonbon là. Il est trop sympa. Alors, du coup, je vais sortir Bayonne, le jambon. Toy Story aussi. Moi, je trouve qu'il est super bien parce que, comme de toute façon, c'est une tirelire. Du coup, ça a vraiment cette forme là, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est celui-là le plus propre, tu vois. Et le mystère. Tigrou. Je déteste Winnie l'ours. Je tiens à le dire, j'ai horreur de Winnie l'ours. Je peux sauter avec ma queue. Twing, twing, twing. Et il a l'air con, mais il est mignon. Et il est bien fait. Ça nous fait 12 Tsum Tsum. Ouais. Aucun double, et c'est ça, c'est nickel. Super bien. Tu les as commandés sur Cultura. Quoi? Ils sont à 5,99. J'en ai reçu aucun en double. Un peu déçu de pas avoir de Stitch. Ouais, enfin, vous verrez sur le petit prospectus, mais il y a Stitch et il y a Souillon, la poupée. Et de Lilo. Et c'est vraiment les deux que je voudrais absolument avoir. Bah je compte pas m'arrêter là de toute façon, je veux vraiment faire peut-être la collection dans une prochaine ouverture. Dans alors. Une prochaine ouverture peut-être, oui. Du coup sur ce, on vous fait des bisous. Des gros bisous. On vous retrouve demain pour une vidéo vide grenier. À demain. Plus.